comment il rentre dans l'Italie que nous-mêmes nous ne connaissons pas. Qui est-ce qui est venu chercher nous-mêmes que nous ne connaissons pas, sauf demain, qui fait non, vendredi dans la matinée, que yon proche li, rele yon étudiant qui dit est-ce que le te wèl, li pa rentre l'Italie. C'est à ce moment-là que nous-mêmes, dans la faculté de sciences infirmières à l'Université Notre-Dame d'Haïti, nous confirmons vraiment que étudiante Marlene Flora Negestan li pa rentre l'Italie. Haïti qui gagne en crise insécurité qui bla école depuis bien des temps, Haïti qui gagne en crise kidnapping tout qui bla école sous territoire national là depuis bien des temps, malgré crise économique, malgré crise politique, Haïti a fait face, ça pas empêché la vie chère avec la misère pas suspendre a fait malheureux malheureuse moutillon calvebado, mais ça pas empêché tout bandi à exam continuer à tout pisi population haïtienne. Malgré nous en pile haïtien a couru quitter pays a malgré diverses interventions tout bon côté opposition lui-même qui a critiqué mauvaise gestion président républicain qui t'a voulu faire connaître ça qui a passé dans pays a c'est président qui t'a la cause malgré gagner tout qui a accusé DG Léon Charles et nous connaît Mario André Sol c'est une monde qui t'est passé dans tête la police là lui-même tout sous compte Twitter tout t'a voyé un message by Léon Charles et faire connaître pour DG la police là prend toute bonne responsabilité. Alors, journée aujourd'hui, malheureux, pas suspendre à victime sous territoire national. En l'instant, c'est une étudiante, encore une fois, qui arrivait, perdu la ville, dans Port-au-Prince, nous sommes capables de dire plus précisément, sur route tabac, après que parents t'ont cherché depuis bien des temps, après que famille t'a prêlé dans toute radio, a demandé pour lui, selon information, il y a des gens qui t'ont fait connaître que jeune étudiant ça, lui-même, il a été kidnappé, mais c'est information qui pas vraiment confirmé. Alors, selon information qui sortit de bonnes sources côté parents, il t'a pas appelé depuis bien des temps. Alors, journée lundi, il est arrivé, retrouvé quoi, jeune fils ça, dans zone tabac. Alors, je ne dis pas que n'a pas la volage, du moins c'est ça lui-même qui trouvait le nom petit frère, c'est cap glacé. Mais comment la vie jeune haïtien a trépassé dans le pays d'Haïti? C'est toute série d'informations que nous prenons pour vous pour dans la rubrique journal nous pour aujourd'hui. Déjà, la première, c'est ou même qui regarde la vidéo, ou même qui prend le partager, ou même qui prend le quitter un like, sans oublier, ou même qui prend le quitter un commentaire. Avec le sentiment que vous avez vu une situation, ça, lorsque je dis, nous avons dit qu'il y a un étudiant qui était ensemble avec nous. On a toujours les bêtes ensemble. Même dans le stage, chaque jour, je mets dans la machine, acheter de l'eau. Les aboyer de l'eau sur l'autre. Si le visage dans le ras de l'autre. Bon. Maintenant, je recevoir une nouvelle là. Ça fait vraiment plus. Est-ce que vous avez une idée de, en fait, de la Floa, comme quoi, mis à part de venir ici à l'école? Est-ce que comme si nous avons parlé les familles pour demander, est-ce que comme si nous parlé les commandes corps pour demander ça, et puis ils ont dit non, ils n'ont pas jamais fait ça jusqu'à samedi. Et puis ils m'ont dit, les tirs ont parlé sur l'école là, parler. Ils m'ont dit, ah, si vous êtes comme si là, sinon vous pouvez faire tout juste ça, vous n'avez pas demandé Flora comme. Soit vous bagay qui est arrivé, bon, parce que nous n'avons pas kidnappé un monde comme ça, vous n'avez pas demandé comme ça, vous n'avez pas. Et puis vraiment, vraiment, bien, c'est nous vers ça qui est arrivé dans la cabane. C'est parce que moi, je me suis dit que je parlais de bail. Et puis, moi, je me dit, Nini, il y a tous les hommes là, les hommes là, mourir, ils savent. Et puis, je me dit, je ne pas faire comme cela que Flora est arrivée, tout est comme ça, dans la situation comme ça. Bon, ça a vraiment phénoménal. Et comme si je me dit, non. Nous tout qui là comme si nous venions d'un sentiment de vengeance, comme si nous parlions dans le pays, dans le pays là, nous sommes jeunes qui ont essayé comme si là, qui travaillent pour l'utile pays demain pour la sauver des vies et puis ces vies par lieu pour un retour. Donc ça a vraiment fait nous mal. Nous connaissons que ça a été mal qui a été de plus stress et nous même qui sommes amis nous avons gardé son amour qui a été mis là dans la faculté. Mon frère, c'est un homme qui n'a pas de comme si il n'a fait monde. Il était une jeune fille vraiment courageuse.
et toujours pour courager si mon yo par exemple si gien examen pas dit là toujours dit ah mesdames vous faites pas bête non bagaille ça au travail pas que c'est même pas de jambe qu'on gien quand pas personne et n'a pas vraiment que ça choqué presque toute l'école là parce que yo reconnaît Flora pas jambe non en ensemble avec mon son jeune fille qui très gentille et puis très affectueuse Alors bonsoir, on a dit merci parce que donc on a choisi de voir la très médias avec la Judia. Donc on connaît déjà, c'est avec la situation ça qui passait l'une dans Judia ici dans la nous venu de façon à ce que nous sommes capables de gagner quelques mots dans la bouche en responsable. Merci du fait que nous avons une idée de étudier ça. Bon, merci. Nous remercions nous tous pour ce que nous sympathisons avec nous dans le moment ça. En fait, que peut-être que pour la mort, c'est presque même genre avec nous matin, que nous prenons nouvelle là dans Radio Caraïbe, que étudiants l'ont décidé, mais comment ça a été? C'est que c'est vendredi matin que nous avons un secrétaire ici là, que un étudiant voit un message pour lui dire il paraît que un parent qui dit étudiant, parent en parlant de Marlene Flora Nélissan. Le que moi personnellement li relèm moi dit que ou sûr parce que tellement gen rumeur me dit confirmer vraiment que étudiant pas rentré la caillou le que li relé étudiant bon me dit en attendant m'attendre c'est quelques minutes après madame Leondas qui c'est coordonnatrice de stage li relé moi li dit oui c'est confirmé que étudiant Marlene Flora Nélissan pas rentré le ça nous dit ben on rentre en contact avec le responsable de stage parce que dans le lieu de stage, étudiante qui est à la fois monitrice et superviseuse de stage. Le madame Leonidas qui est coordonnatrice de stage, les monitrices de stage là, dit confirmer vraiment que Marlene Flora Nélissan était vraiment dans stage jeudi matin. Et superviseuse a tout confirmé qu'elle était dans stage là et il passait toute journée en stage là. Mais c'est peut-être dans la soirée, parce que le stage a terminé à 4 heures, mais il est question que vous avez 4-5 heures dans la cour l'hôpital là. Mais c'est après, comment il est rentré la famille que nous-mêmes nous ne connaissons pas. Qui est-ce qui est venu chercher nous-mêmes que nous ne connaissons pas, sauf demain, qui fait non, vendredi dans la matinée, que un proche, un étudiant qui dit est-ce que vous avez well, il n'est pas rentré la famille. C'est à ce moment-là que nous-mêmes, dans la faculté de sciences infirmières à l'Université Notre-Dame d'Haïti, nous confirmer vraiment que l'étudiante Marlene Flora Nélissan n'est pas rentrée la CAI. Vu que la situation par rapport à 3 jours de pause, bon, pas pause, 3 jours de fermeture et exigée par la conférence épiscopale, là, nous avons pris une décision pour ne pas fonctionner. Ça fait que la nouvelle là tombée, non, vendredi matin, nous avons déjà fermé. Nous avons dit que dans ce cas, vendredi et matin, hein, qui c'est lundi que nous avons prouvé pour nous, nous avons pris les groupes là, nous avons convoqué les groupes là pour nous donner plus d'informations sur la disparition. Pour ça nous dit disparition, c'est parce que tout contact que nous avons avec les proches, ni avec les étudiants, nous n'avons pas de gens qui ont relé pour faire exigence de rançon, tout ça. À ce moment-là, nous dit bon, nous ne pouvons pas, pas parler de kidnapping, nous avons parlé d'enlèvement encore de disparition. Alors, l'air que nous tenions pour nous convoquer au matin là, moi-même personnellement qui s'est venu un emploi et qui vivait là très tôt, qui s'est doit être faculté là, le moins arrivé, m'attend des nouvelles sur Radio Caraïbe parce que depuis là, quand moi, dans Titium, dans des Caraïbes, j'ai déjà dit qu'on va parler sur ça. Et puis l'heure que m'attend des proches qui sur Radio là, et puis Caraïbe est venu pour un moment de pause, une minute, enfin de quelques minutes, et c'est à ce moment-là, m'attendais que ils ont confirmé que ils ont joint le corps Marlene Flora Nélissan. Nous-mêmes, nous rentrons dans la faculté en contact avec les parents pour nous connaître vraiment. Est-ce que vous confirmez, puisque nous-mêmes, nous ne parlons pas encore. C'est le ça avec un membre de la famille, vous confirmez pour nous, oui, vous recevez encore et c'est bien Marlene Flora Nélissan. Et nous, regardez, nous-mêmes, gens avec nous, c'est par la presse, c'est Radio Caraïbe que moi, tendez que Marlene
explorer les restants qui décédent. Avant de poser ça, que nous prenons par rapport à la situation ça, qui en fait, n'a pas été posée, est-ce que l'école a toujours fonctionné comme ça devait être ou bien n'a pas aussi ce possible? Non, sur le plan administratif, parce que faculté en soi ou encore université a une position, mais position c'est après rencontre que nous avons gagné demain si Dieu veut avec tous les doyens que faculté a positionné. Maintenant, sur le plan administratif, il y a une décision immédiatement que nous prenons, parce que nous avons déjà prévu que nous n'avons pas stoppé le stage pour nous donner plus d'informations par rapport à l'enlèvement pour nous connaître qui fait que c'est passé. Alors, nous profiter maintenant là, étant donné que étudiants étaient déjà là, parce que comment nous fonctionnons dans la faculté de sciences infirmières, l'Université Notre-Dame d'Haïti, nous avons autant de cours et autant de stages. Nous, ça veut dire nous alterner à la fois études et stages. Là, étudiants deuxième année, c'était dans la période de stage. Première session finie, là, ils ont un mois de stage. C'est dans le stage qu'ils ont été, c'est-à-dire pas à l'école là vraiment. Mais nous en contact, c'est nous venons, nous en contact avec un cadre, une monitrice de stage qui. Même là, on parle l'école là, mais là, ça veut dire qu'il a toujours fonctionné l'école. Parce que c'est une période normale. Physiquement, il n'y a pas là, mais il y a différents lieux de stage. Oui, nous sommes en contact avec les étudiants. Et ça fait nous avons rappelé, nous avons convoqué pour venir la matinée pour nous comprendre qui ça fait quelque imprudence que nous avons fait pour nous ramener à l'autre, corriger tout ça qui mérite corrigé. Mais malheureusement, là, on est venu. Nouvelle là, on est tombé déjà que Marlene est décédée à ce moment-là. Nous t'es obligé bon changer objectif réunion là ouais tout ça que nous t'es planifié déjà d'abord nous t'es un temps de un moment de prière pour nous partager sympathie avec eux par rapport à tout ça parce que ça qui vient vraiment choquer nous toute la faculté parce que vraiment étudiants nous qu'on a agressé mais nous pas combien de cas de meurtre même j'en pense avec presque nous toutes chaque jour qui a pas agressé peut-être pas dans la rue son situation que nous tout à vivre une situation assez difficile mais que situation ça vient présenter devant nous, nous obligés de prendre décision d'abord. Une décision que nous prenons, c'est stopper stage là pour ce maintenant et aussi stopper études là. C'est-à-dire là, c'est pas que souvent là demain on va venir étudiant, on va venir étudiant parce que nous avons ensemble d'activités que nous avons réalisées pendant ce maintenant. Peut-être que après que nous avons partagé plein d'activités, ensemble d'activités que nous avons réalisées pendant ce maintenant. Mais c'est pas le mode de fonctionnement normal habituel, c'est-à-dire cours et stage. Non, ça c'est juste des moments de paiement, de conveillance, de prière que nous avons pour nous organiser, que toute planification ensemble d'activités que dès qu'on a ensemble avec étudiants qui proches Marlene, que nous formons un comité pour semaine, ça, tout ensemble d'activités que pour nous réaliser